Alors, je voudrais dire un petit bon rapport que ex-Freeman. Il y a longtemps, hein. C'est pour ça que j'ai dit ex, j'ai pas dit ancien. J'ai été séduit, très séduit, par l'équipe du Canada. Sérieux, qui nous a enchanté avec son style de rugby. Donc, si, allez les rouges. Quelques petites consignes de sécurité sur la route, sur les véhicules. Le plus important, c'est maintenant. Soyez très, très vigilants sur la route. Il faut que vous soyez toutes à Algeciras. Faites attention quand vous vous arrêtez en Espagne. Fermez bien vos portes de la voiture. Au Maroc, ça risque rien. Hein. Mais soyez vigilantes quand vous descendez en Espagne. Fermez bien vos voitures. Faites attention dans les stations-service. Ne quittez pas les voitures pour aller acheter quelque chose en laissant les voitures ouvertes, etc. Soyez très, très vigilantes. Hein. Et quand vous aurez choisi votre route, parce qu'il y en a deux possibles, bon, je crois que la majorité vont passer par l'ouest, mais soyez sur l'autoroute vigilante. Si vous arrive quelque chose sur l'autoroute, une panne de moteur, vous avez toutes les consignes écrites, parce qu'on n'a pas le droit d'intervenir sur les autoroutes en Espagne, c'est interdit, en France aussi d'ailleurs. Donc vous avez les téléphones pour le prévenir, vous avez tout ce qu'il faut. Mais je vous en prie, je vous en supplie, roulez lentement. Hein, de façon, on n'est pas là pour avoir des pépins sur la route. On en aura assez sur la piste, quand j'ai l'école. Soyez très très prudentes, s'il vous plaît, et très vigilantes en descendant en Espagne. Après, ça sera que du bonheur, je vous le promets. On en parlera le dernier soir au bivouac dont je vous ai parlé, où on sera pour la dernière fois seul ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas ni journaliste, ni invité, ni qui que ce soit. On en parlera à ce moment-là et vous me direz c'était bien ou c'était pas bien, je serai là pour vous écouter. Voilà. Je vais maintenant passer la parole à Laetitia Chevalier qui va vous expliquer un petit peu, parce que c'est aussi le 10e anniversaire d'Enfants du Désert. Voilà, tu veux nous expliquer ce qui nous attend dans la semaine? Bonjour les Roses. Donc effectivement pour nous c'est le 15e anniversaire du Rose, mais c'est aussi nos 10 ans Enfants du Désert. Donc c'est une belle fête et pas si belle que ça finalement, parce qu'on aurait aimé ne pas être là et on espère ne pas être là dans 10 ans, mais bon, c'est malheureusement une réalité. Et donc effectivement cette année j'ai demandé à Jean-Jacques et Géraldine qui nous laissent un petit peu plus de temps pour celles qui connaissent déjà, pour vous faire partager un petit peu plus de choses avec la population cette année. Donc si tout se passe comme prévu, on va pouvoir avoir pas mal de temps à passer ensemble, on va pouvoir échanger. Je vous explique pas tout, je veux vous laisser une partie de surprise. On vous a remis quelques consignes, quelques petites feuilles de consignes pour la remise des dons samedi, donc prenez-en note. Moi, je vous reparlerai à Algeciras. Et donc, voilà, je vous souhaite de passer une bonne route. Monsieur Alvarez. Tous. Tu as oublié de dire que cette année, vous serez toute la semaine. Donc, cette année, parce que nous, vous ne voyez pas beaucoup. On voyait au départ, on voyait le jour de la remise des dons et à l'arrivée. Et cette année, on a changé. On va être tous les soirs au bivouac avec vous. Donc, on aura une tente Enfants du Désert. Donc, pour celles qui veulent échanger avec nous, qui ont envie de parler de choses un peu plus longuement que pendant les vérifs ou le jour de la remise des dons, on n'est pas forcément hyper dispo. Ben voilà, tous les soirs, on sera là avec du thé et des petits gâteaux. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. On sera là pour vous rencontrer et pour partager avec vous. Donc notre marraine québécoise sera présente, elle nous rejoint directement là-bas, hein, elle sera présente Mélanie dès après-demain soir. Mélanie Pilon, pour les Québécoises qui la connaissent, qui était à la soirée de lancement, et qui va faire la course toute la semaine au même titre que vous. Et donc et notre marraine française, Tania Young, qui n'a pas pu être présente avec nous, mais qui vous adressera un petit message à la fin du rallye. Voilà. Moi je vous remercie beaucoup, je vous souhaite bon voyage. Soyez prudentes et je vous donne rendez-vous, je serai avec toi à Algeciras demain, et sinon rendez-vous samedi pour la remise des dons. Merci beaucoup. Merci Laetitia, merci.
est filé. Vous pouvez les écraser, c'est pas des Marocains. Une place, s'il vous plaît, je vois que vous transportez quelques personnes. Faut pas me prendre derrière. C'est très compliqué. Pas une petite place là. J'insiste. Hein. Ouais. Et puis c'est vraiment envie. J'ai vraiment envie d'y aller. Ouais. Ouais, mais moi je suis un transsexuel. Alors. Au revoir. À Erfoud, non pas au sud, à l'est. Après les portes. Et ils partent pour plusieurs jours. Ça fait bien ça. Ouais, mais bon, aller donner des stylos et tout ça. Merci parce qu'ils ont fait énormément de dons de repas pour le... des dons de repas pour le... la ville de Saint-Jean-de-Lucibourg, mais il a dit pour Cibourg c'était pas la peine, il n'y a personne qui demande. Merci pour les fleurs. Ça. C'est votre fétiche? Yeah.
tu viens là. Tu es escabeau. Ah non, c'est pas l'heure derrière. Allô, mon chapeau là. Ouais, dans mon chapeau. Ah bah il est. Ah bah et puis. Non mais laissez-le, c'est pas grave. Souriez à la vie. Ah, souriez à la vie. Souriez à la vie. Ah, et ce sont les mecs qui passent le balai alors maintenant? C'est les mecs qui passent le balai, ouais. Ah, c'est mieux, hein. Parce que sinon, on en perdrait beaucoup, hein.